Voilà donc toute la magie que vous avez entendue dans ces quelques mélodies, toute la magie de ce fameux mode dorien, ce mode doré qui est tellement fascinant, tellement passionnant, et que je vous invite dès à présent à expérimenter sur votre instrument. On va essayer de voir un peu plus en détail en quoi cela correspond, et voir d'abord en premier lieu qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit, qu'est-ce que le mode dorien. Alors tout simplement le mode dorien, c'est le mode qu'utiliserait une musique en... a priori en Ré, mais sans altération, c'est-à-dire ni dièse ni bémol. On est en Ré, dans la gamme de Ré, la note de référence de toutes ces musiques, je les ai toutes jouées en Ré, de toutes ces musiques, ben, la note de référence est Ré, elles sont toutes en Ré, mais ne contiennent pas d'altération à la clé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dièse à la clé, pas de si bémol, il peut y avoir l'un ou l'autre Do dièse ou l'une ou l'autre note altérée accidentellement, mais c'est une gamme naturelle sans altération. Alors, on peut évidemment transposer ce mode de Ré dans les autres tons. Hein, je peux très bien prendre ce mode de Ré en Do. Qu'est-ce que c'est que le mode de Ré transposé en Do? Ben, c'est une gamme de Do qui respecterait les mêmes intervalles que ceux que je trouve en montant du Ré et en restant sur les touches blanches. Partant de Do, cela va m'amener des touches noires, en l'occurrence un Mi bémol et un Si bémol. J'ai là donc le mode de Ré transposé en Do, ou la gamme de Do dorienne, le mode dorien de Do. Ou le mode de Ré, on est toujours dans le mode de Ré, transposé en Do. En Mi, j'ai Fa dièse, Do dièse. En Fa, La bémol, Si bémol, Mi bémol. En Sol, il n'y a qu'une seule altération, c'est le Si bémol. En La, également une seule altération, c'est le Fa dièse. Remarquez bien, le mode de Ré transposé en La, bien La dorien, c'est de retenir, il y a le Fa dièse. Et pour finir, le mode de Si, le mode de Ré transposé en Si, pardon, ce n'est pas le mode de Si, le mode de Si, ce serait ça, c'est le mode de Ré transposé en Si, le mode dorien de Si. Trois altérations, Do dièse, Fa dièse, Sol dièse. On pourrait également faire la même chose à partir des touches noires, le mode dorien de Do dièse, de Si bémol, etc. Voilà. Alors, pourquoi ce mode dorien est-il tellement important? Ben, tout simplement parce qu'il s'agit du premier mode, de la première référence historique de la musique avant que ne s'impose notre mode de Do que l'on connaît aujourd'hui. D'une manière schématique, on pourrait dire qu'aujourd'hui, un enfant qui apprend le solfège apprend d'abord Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Au Moyen-Âge, un enfant aurait appris Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, hein, s'il avait appris la musique de cette manière-là. La référence, la gamme de l'époque était cette gamme-là, et non pas la gamme majeure telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, évidemment, ce sont les mêmes notes, mais le système de référence est différent. Pourquoi ? Alors, c'est très facile à voir, tout simplement parce que tant que la musique est simplement mélodique, monodique, sans accompagnement, sans harmonie, sans accord, comme dans le cas par exemple du chant grégorien, ce ne sont pas les accords qui vont primer, mais la disposition des intervalles à l'intérieur de la gamme. Et vous savez que notre gamme est faite de tons et de demi-tons à cause du cycle des quintes. Hein, ces demi-tons sont obligatoires, on ne peut pas les éviter, on ne peut pas faire une gamme par ton, parce qu'on n'aurait pas de quinte, justement. La gamme contient naturellement, quel que soit le point de départ, toute gamme diatonique, quelle qu'elle soit, majeur, mineur, contiendra des tons et des demi-tons. Et en fait, ces demi-tons, c'est la manière dont ils vont être disposés qui va faire la qualité du mode et la qualité, l'esthétique, la beauté des mélodies qui vont en découler. Alors, avant que n'apparaisse la tonalité, la gamme était subdivisée en deux séries de quatre notes, ce qu'on appelle des tétracordes, quatre notes. J'ai huit notes de Do à Do ou de Ré à Ré, et je subdivise ces huit notes en deux séries de quatre. Regardez bien ce qui va se passer si je le prends en Ré. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, où se trouve le demi-ton. Ré, Mi, un ton, Fa, un demi-ton, Sol, un ton. Donc dans la première série de quatre notes, dans le premier tétracorde, un ton, un demi-ton, un ton. Dans le deuxième tétracorde, La, Si, Do, Ré, un ton, un demi-ton, un ton. Donc le demi-ton, il est naturellement au milieu. C'est sa position, je dirais, la plus naturelle, ce qui permet aussi, si vous regardez le clavier, de constater que à partir de Ré, regardez voir le clavier en prenant non plus, comme vous avez l'habitude, Do comme référence, mais Ré, regardez le clavier comme si la note principale c'était Ré, ben, vous voyez une symétrie. Vous voyez votre groupe de touches noires, trois touches noires au milieu. Vous ne voyez plus quelque chose de dissymétrique et d'illogique, deux touches noires, trois touches noires, deux touches noires, trois touches noires, qui a pour conséquence d'avoir des demi-tons placés de manière dissymétrique, irrégulière. Mais vous voyez en fait
le groupe des touches noires placé de manière symétrique. Ça, c'est très important. Également, si vous faites en partant de Ré un mouvement contraire, constatez qu'on retrouve en montant ou en descendant ces corollaires, hein, c'est naturel, pour trouver les mêmes intervalles. Un ton, un demi-ton, aussi bien en montant qu'en descendant. Ce n'est pas le cas si je fais la même chose à partir de Do, puisqu'en montant j'ai un ton, un demi-ton, en descendant j'ai un demi-ton. Vous voyez, donc à Ré, on a une symétrie parfaite. C'est simplement parce que notre gamme et nos altérations sont placées de telle manière que partant de Ré, les demi-tons se trouvent placés de manière symétrique, hein, si je considère donc les séries de 4 notes, au milieu des tétracordes. J'ai donc dans chaque série de 4 notes un ton, un demi-ton, un ton. Le demi-ton étant au milieu. Donc c'est cette disposition des notes qui est la référence pendant tout le Moyen-Âge, pratiquement jusqu'à la Renaissance. Le changement va se faire de manière progressive. Et pourquoi un changement va-t-il se faire? Tout simplement du fait de la polyphonie qui va amener un nouveau critère dans la qualité de la musique, au-delà de la mélodie, c'est l'harmonie qui va prendre le dessus, et c'est la qualité des accords, en l'occurrence, l'accord parfait majeur, que je ne peux pas faire à partir de Ré. Parce que si je construis un accord à partir de Ré, j'obtiens un accord mineur. L'accord majeur correspond à des rapports de fréquences mathématiques beaucoup plus simples que l'accord mineur, et c'est cet accord-là qui va devenir référence. Donc la gamme va se décaler, le point de départ va se décaler petit à petit, ça va être Do qui devient référence. Et je peux ainsi, à partir de Do, construire ma gamme non plus par une symétrie des tons et des demi-tons, mais par une symétrie des accords. Vous voyez que ma gamme peut se décomposer en trois accords, l'accord de Do, une quinte au-dessus, l'accord de Sol, une quinte en dessous, l'accord de Fa. Dans ces trois accords, j'ai toute la gamme contenue dedans, ce qui fait que lorsque la musique devient harmonique, c'est la note Do, du fait de cette nouvelle symétrie, qui va devenir la référence. Et Ré perd donc son statut, et va céder sa place à la note Do, perd son statut de première note de la gamme. Alors on peut également se poser la question, d'ailleurs il faut se poser la question, de savoir pourquoi, à partir du moment où la gamme devient le mode de Do, c'est en fait le mode de Do qui prend la place du mode de Ré, pourquoi apparaît alors une relative mineure en La mineur, et non pas en Ré mineur? Pourquoi est-ce que c'est La mineur qui est relative à Do, alors que le mode naturellement mineur qui était prépondérant avant que ce ne soit Do était celui de Ré? Pourquoi on n'a pas conservé Ré comme mode mineur naturel, et on aurait dit alors que c'est Ré, le mode de Ré qui serait le relatif mineur de Do? Ça aurait pu paraître logique. Mais tout simplement parce que dans le mode mineur, tout comme dans le mode majeur, il faut que je puisse trouver une symétrie entre des accords mineurs. Et cela, je ne le trouve pas en Ré. Si je construis des accords dans le mode de Ré en prenant Ré, comme j'ai fait pour le mode de Do, en prenant Ré comme référence, j'ai un accord mineur. Une quinte au-dessus, La, Do, Mi, j'ai bien également un accord mineur. Là, ça va, tout va bien. Mais une quinte en dessous, Sol, en touche blanche, je trouve Sol majeur. Ce qui ne me permet pas, en Ré mineur, en Ré dorien plutôt, d'enchaîner des accords qui seraient tous mineurs, puisque là j'aurais un accord majeur. Et à partir du moment où c'est le mode majeur et par son opposé, le mode mineur qui devient une référence, on considère que le majeur, il est entièrement majeur, le mineur, il est entièrement mineur. Moi j'ai toute liberté à l'intérieur d'une composition d'utiliser d'autres notes et de changer de mode, de changer de tonalité. Mais la référence c'est ça. C'est-à-dire, la référence du mode majeur, c'est la gamme de Do, parce que je peux faire trois accords majeurs. La référence de la gamme mineure, ce n'est plus le Ré, mais le La. Parce que en La, je peux faire trois accords mineurs. En Do, trois accords majeurs, Do, Fa, Sol. En La, trois accords mineurs, La, Ré, Mi. Et le mode dorien, donc finalement, d'une certaine manière, va disparaître, pour réapparaître tout doucement et très discrètement au XIXe siècle, et de manière un peu plus présente au XXe siècle, à travers le jazz, et également la variété, la musique rock. Voilà. Alors il serait intéressant pour terminer de comparer quelques petites mélodies, et voir peut-être, bien que ça ne veuille a priori pas dire grand-chose, mais quand même, prenons voir une mélodie en mode de Ré dorien, et essayons de voir ce qu'elle deviendrait si elle était en mode mineur naturel. Le mode mineur naturel étant Do. Le mode de La, hein, le mode de Ré, c'est comme ça, le mode de La, si je transpose ce mode de La en Ré, je trouve un Si bémol, hein,
et c'est ce qu'on fait naturellement. Aujourd'hui, quand on parle de ré mineur, on met un si bémol à la clé, parce que le mode de ré est une transposition du mode de la qui est la référence. Le mode de ré qui est la référence. C'est que c'est un peu compliqué, hein, toutes ces notes dont on parle, mode de ré transposé en la, mode de la transposé en ré. Je vous inviterai à peut-être réécouter cette vidéo, la regarder une deuxième fois si vous souhaitez approfondir, comprendre un peu mieux. C'est une démarche très logique, qui est assez rigoureuse, mais qui a besoin de temps pour s'imposer. Alors prenons une mélodie comme par exemple la chanson des Shadows, Apache. Qui me fait dire qu'elle est en mode de ré de rien. On est bien en ré, parce qu'on est sur un accord de ré mineur. Et lorsqu'on passe en si, on est en majeur. Donc en fait, le mode do rien par rapport au mode mineur naturel mélange naturellement le majeur et le mineur. Le mineur et le majeur, plutôt. On est en mineur, et on passe naturellement à un accord de sous-dominante, un accord de quatrième degré, en l'occurrence sol, sur un accord majeur. Si on était en mineur naturel, cette mélodie sonnerait de cette manière-là. Et là, on serait en mineur naturel. Alors, tout naturellement, le compositeur a choisi de la faire sonner comme ça. C'est vrai que c'est plus agréable, c'est beaucoup plus brillant, c'est plus limpide. Là, on serait en mode de la transposé en ré. On aurait des touches si on était sur les... En la mineur. En la mineur naturel, là j'aurais des touches blanches. Et j'ai des touches blanches en ré, mais à condition d'être dans le mode do rien. Et c'est bien entendre. Bien entendre ce côté majeur qui va arriver sur le quatrième degré. Faisons voir l'expérience inverse. Prenons une mélodie qui est typiquement dans le mode do rien, une mélodie très harmonique qui est... puisqu'elle dessine d'elle d'emblée un accord mineur. Et elle va aussi... Donc il ne s'agit pas de mode do rien ici, c'est l'inverse. C'est une mélodie en mode mineur naturel. Si elle était en mode do rien, elle sonnerait de cette manière-là. Passage en majeur qui est très peu adapté ici, tout simplement parce que dès le début le mode mineur est très présent, la mélodie dessine un accord mineur, donc cette mélodie est très mineure, ce côté nostalgique, romantique, et on accepte très mal ce passage en majeur, donc naturellement reste en mineur avec un si bémol qui m'amène un accord de sol mineur, un accord de quatrième degré mineur, ce qui est donc caractéristique du mode mineur naturel. Qui est donc le contraire du mode do rien. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous essaierons de voir comment utiliser ce mode do rien dans l'improvisation à travers la pratique de l'ostinato, puisque finalement, un des grands avantages du mode do rien, c'est qu'il permet une harmonie très symétrique. Et dès que l'on sort un peu des accords parfaits, de la consonance rigoureuse des accords parfaits, on obtient un mode d'harmonie dans lequel les notes se mélangent très facilement, sans créer de tension ni de dissonance, donc de manière très pratique, très simple.